France, a few hours from the capital, the quiet village town of Condé-le-Herpie. A small yet distinct structure breaks the charming landscape, yet houses something quite remarkable. A story. A people. A tale of incredible inspiration. Cette mosquée, c'est vraiment notre centre. C'est notre centre qui nous permet donc de pouvoir remonter au niveau de notre iman, de notre foi. Dans l'esprit, on était chiite dès le départ, mais on ne le savait pas. On était devenu musulman parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens ont toujours dans la tête, alors que chez les Français encore pire, mais même chez les musulmans, de croire que parce qu'on est musulman, on n'est plus français. Parce qu'on se connaissait tous avant, on se connaissait d'avant. Réaliser quelque chose de concret, autour de quoi on s'est mis à tourner, quoi, en fait. À travers les expériences qu'on a faites, on a eu l'impression qu'on était quand même agréé. Moulinet, c'était vraiment une délivrance. La vie, c'est le temps de la preuve et de l'épreuve. Le chiisme en lui-même porte une doctrine sublime. Et que, Dieu merci, on a encore un imam qui est présent parmi nous, bien qu'occulté, et que c'est vers lui qu'on se tourne, quoi. Ma préoccupation, c'est d'être en rançon pour l'imam, voilà. Et c'est sur nos gamins que vont reposer si l'histoire continue ou si elle continue plus.